J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux? Non. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. J'ai divisé mon salaire par 3. J'ai adapté aussi mes besoins et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses, tout le superflu. J'achète différemment, je bois plus de champagne, je bois du crément. Voilà, c'est des choses comme ça. Je m'habille plus en Bosch, je m'habille en Abercrombie. Voilà, c'est... On arrive toujours à trouver ça. Quand on veut, on y arrive. On est dans une dynamique où on n'a plus envie de gagner des salaires mirobolants, quoi. Dans une entreprise classique, c'est un peu la contrepartie qu'on te donne pour un boulot de merde, entre guillemets. Nous, on est plutôt dans une démarche où on fait un boulot qui nous plaît et on n'a pas besoin du coup d'avoir un salaire dont on ne va pas savoir quoi faire, quoi. On vit dans une société qui est un peu folle, en fait, dans laquelle on se crève à travailler tout le temps. Et pourquoi ? Pour avoir un salaire et qui nous permettrait d'acheter des choses et pour nous déstresser de tout le stress qu'on cumule au travail. Nous avons choisi la sobriété, c'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je suis jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai telle bagnole, il me faut encore. Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait ? J'ai pas besoin de ce qu'on me fait croire que j'ai besoin. Ils se disent « Ah non, moi je vivrai jamais comme ça, j'ai besoin de ma douche, j'ai besoin de mes toilettes, j'ai besoin de mes... » Mais oui, mais on a tout ça, hein. C'est juste que ça existe en basse consommation, ça existe sans polluer, sans créer une empreinte écologique irréversible. Tout est possible, les solutions elles sont là, et encore meilleur, on n'a pas besoin de travailler pour pouvoir accéder à ce confort. Donc toutes les objections à ces voies-là, elles tiennent pas très longtemps. Quand on se rend compte que l'essentiel est dans ces choses qui ne nécessitent aucun objet, aucun argent, tout d'un coup on se rend compte que pourquoi on court ? Pourquoi on court ? Tu te sens équilibré, ouais. D'un seul coup tu te sens bien, serein, calme et prendre le temps de regarder une plante. Et juste prendre le temps parce qu'en fait y a rien qui presse. Et là tu retrouves des sensations autres. C'est des choses que tu ressens, quoi. Et dont on te prive, tu te prives avec le temps et l'évolution dans une vie plus artificielle. Quand on a moins de biens, on a plus d'ouverture et de sens ouvert sur tout simplement les plaisirs tout simples de regarder un coucher de soleil, de semer ses salades, de faire de la bonne nourriture. Voilà, c'est une autre vie. C'est vraiment un plaisir. C'est pas simplement la simplicité, tu vois. C'est le fait de vivre en harmonie avec tout ça. C'est regarder les ressources, hein, et faire avec. Faire avec les ressources qu'on a là, un peu, chaque jour. Qu'est-ce qu'on a, nous ? On a le temps, on a l'huile de coude, on a un peu de gingembre, on a plein de trucs, on a des copains. Avec ça, mais on fait des trucs fantastiques, quoi. La question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. On ne se rend pas compte l'effet pollinisateur que l'on a simplement à titre personnel. C'est une spirale qui est totalement positive, quoi. Plus on lâche des choses, plus on est riche intérieurement. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ben, « ça fait du bien, on est rassuré pour l'avenir ». Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Bah, aujourd'hui, je me sens responsable et actrice. Voilà. Je me sens puissante, tout simplement. Donc ça donne quand même beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'espace. Et c'est cette transformation-là, cette joie que j'ai pu trouver, que j'ai envie de partager, quoi. En fait, ça m'a permis de découvrir que tout est possible.